Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite à la demande d'une abonnée, je vous montre comment résoudre le problème lorsque votre filtre Unlimited se ferme tout seul. Dans ce cas, il vaut mieux le réinstaller. Vous trouverez ce filtre dans mon blog en cliquant sur le logo WinZip. Bien. À présent, je vous montre. Vous allez cliquer sur le Setup. Vous cliquez sur oui. Vous cliquez sur next. Vous acceptez le contrat de licence. Cliquez next. Next. Et ensuite, vous choisissez votre dossier de destination. Dans mon cas, bien sûr, comme je travaillais sur Photofiltre Studio, je mets donc ce dossier dans Fournitures Photofiltre. Mais vous, vous le mettrez dans les fournitures PSP. Ensuite, vous laissez faire la procédure. Bon, je ne vais pas la faire là sur ce tutoriel puisque je l'ai déjà installé. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous vous trouvez avec un dossier similaire à celui-ci. Vous n'aurez plus qu'à faire un clic droit de souris et sélectionner copier, puis venir sur votre dossier fourniture PSP, faire un clic droit de souris sur une zone vide de ce dossier et sélectionner coller. Mais en principe, il devrait, si vous sélectionnez fourniture PSP dès l'installation, il devrait s'installer directement dans le bon dossier. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer la petite cloche en bas à droite afin d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Merci beaucoup!